j'espère. Alors aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui j'ai prévu d'aller encore chercher des arbres. Alors on va aller ensemble. Je commande avant parce que bon des fois ils n'ont pas forcément ce que je cherche. Et puis voilà, je vais les chercher, ils sont ouverts toute la journée donc bah il est midi là, je vais y aller. Ça va quoi? Est-ce que ça va? Aller de la route, alors Akko est avec moi parce qu'il doit faire son rappel de vaccin. C'est pour ça qu'il m'accompagne, sinon il ne serait pas là. Hein? Il serait resté sagement à la maison. Ma commande, alors il n'y avait pas tout, faut que je revienne la semaine prochaine, bon tant pis. Là j'ai le cerisier, un prunier sur les deux que j'avais pris et j'ai pris framboisier et cassis, cassissier. Voilà voilà, on n'a plus qu'à les planter, je pense que bah, comme il n'y en a que deux, je vais les planter ce week-end, hein. Je pense que ça va aller. Alors, ce matin, nous prenons la route pour rencontrer notre maire de la commune de Nouveau-Tou. On espère un bel échange pour bah, notre projet, quoi, pour qu'il soit bien accueilli par la commune. C'est parti. Oh la vache, le soleil me rend toute blanche. Petit retour du rendez-vous qu'on a eu avec la mairie samedi matin. Alors, bon, c'était histoire de se présenter surtout. Notre projet, enfin mon projet est le bienvenu. On en a discuté, j'ai rencontré une personne qui s'occupe de la vente en direct entre paysans par rapport à tout ça sur la région, enfin sur la commune. Et on a échangé, alors ils sont prêts à me soutenir si j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc bon, voilà, c'est une bonne nouvelle, la mairie est avec moi. Je vous partage une super nouvelle que je viens de recevoir à l'instant. Pôle emploi me finance le reste de ma formation. Ils m'ont accepté l'abondement. Alors pour vous montrer, hop, voilà le coût de la formation. Ça c'est mes droits à formation que j'avais, que j'ai acquis avec mon travail. Et donc il restait 1975 € à payer et ils me la payent. Bon. Alors au début c'est vrai que j'aurais bien voulu garder ce montant là, les 2025 € pour me faire une autre formation dont j'ai le projet après en herboristerie. Bon c'est pas grave, déjà j'obtiens mon financement total pour la formation première qui m'intéressait, c'est-à-dire le brevet professionnel responsable entreprise agricole. Je suis super contente, voilà, allez. Je sais. Le calendrier de l'Avent ? Oh, toutou, mais le calendrier ! C'est le dernier ? Ah bah, c'est Noël ! C'est toi ? Ça veut dire que ce soir c'est Noël ? Avec une cloche. Et toi Luna, t'y arrives ou pas? C'est quoi? Un renne. Oh, un renne. Waouh.
Salut mon petit Père Noël. Ah, ma Mère Noël. Salut toi. Regarde-nous là. T'es toute belle. Ah, j'ai dit. Coucou. Il fait frisquette en ce moment là, oh là 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 là, ça caille, heureusement qu'on a le poêle ici. Je viens de rentrer donc il fait un peu froid, mais bon, ça va se réchauffer, j'ai allumé le feu, tout va bien. C'était pour vous dire que j'ai reçu mon dossier d'admission à la formation. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Alors, j'ai quelques modalités à remplir. Il propose un hébergement sur place. Alors moi je vais prendre l'hébergement, ça va m'éviter de faire des allers-retours, surtout que j'ai pas de voiture jusqu'à Combourg. Alors je réserve mon hébergement, voilà. Et puis bien sûr, ben, toute la liste des documents à fournir que je vais faire, et j'enverrai ça tout demain. Alors un RIB, une photo d'identité, une attestation de responsabilité civile, l'attestation d'assuré social, mon CV, l'attestation de demandeur d'emploi, mon relevé CARSAT, une copie de l'extrait d'acte de mariage si femme mariée, sinon copie des diplômes. Bon bah moi je vais leur mettre la licence que je crois qu'ils ont déjà. Voilà voilà, tous ces petits documents que je vais envoyer demain par la poste. Sinon j'ai un maître de stage à trouver, donc un stage en trouvant une entreprise. Je croise les doigts pour être prise à Cornu, juste à côté de chez moi. Ça s'appelle les Jardins du Châtaignier. J'ai envoyé une demande déjà par mail hier avec mon dossier projet, si c'était possible de faire un stage chez eux de 10 semaines réparties durant la formation. Voilà, une première approche. J'aurais demandé si on pouvait se rencontrer. Je vais attendre une semaine, et puis au bout d'une semaine, je vais peut-être passer un petit coup de fil ou passer carrément là-bas, me présenter. Je pense que je vais plutôt passer là-bas. J'aimerais beaucoup aller là-bas parce que déjà c'est juste à côté de chez moi, ça c'est sûr. Mais deuxièmement, et surtout en fait, c'est le premier, c'est une grosse structure d'agriculture biologique, qui font des paniers, qui font de la vente directe, qui ont 28 hectares, qui ont plein de choses à m'apprendre, et j'aimerais vraiment être prise. Voilà pour les petites nouvelles. Alors, là, on va aller chercher du lait. J'ai primé 3 bouteilles de lait. On va aller chercher de l'eau aussi, chez mon papa. Et dessous, il y a notre compost, on va aller le vider. Ako aussi, tu vas te promener avec nous? Hein? J'ai pris mon petit panier pour récupérer le linge chez mon papa. Et là, on attend qui? On attend Chloé. C'est bon, t'es prête? T'es sûre? T'as brossé tes dents? Oui. T'as fait pipi? Non. T'as envie ou pas? Bah non, je sais pas son numéro de téléphone. Mince, il y a une vache qui s'est barrée. On fait comment? Elle est là, elle est devant nous, elle nous regarde. Ah, elle s'en va. Zut! On va descendre par là? Voilà. Et voilà, on a pris notre lait. Peut-être. Elles sont où les vaches? On va leur dire merci? Ouais. Bah vas-y. Viens. Oui, je viens avec toi, bien sûr. On va dire merci les vaches. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se quitter là maintenant. En ce début du mois de janvier, le mois de janvier risque d'être chargé, surtout pour moi avec ma rentrée qui est le 18 janvier. Et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce et puis vos petits commentaires, vos questions ou autres, vos remarques. En tout cas, je vous embrasse bien fort. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!
Comment ça va la famille Gezel? Bien. Bon, on est sur la fin? Oui. De notre année 2020 merveilleuse? Ouais. C'était génial. Ouais. Ah bon? Ouais. On a fait quoi en 2020? On va se balader. On est parti en voyage cette année. Bah quand même. Oh mon dieu. Bon, l'année 2020 se termine pour nous. Et elle se termine sur une note joyeuse puisque nous allons revoir nos amis qu'on n'a pas vus depuis un an. Alors en petit comité, on est 6. Parfait, c'est la règle. Et voilà, on va faire une bonne petite soirée. J'espère que pour vous tout va bien se passer pour ces magnifiques fêtes qu'on a eues. Et puis à l'année prochaine, hein, parce que l'année prochaine c'est une autre nouvelle année pour nous, hein, un nouveau rêve qui se prépare. Je vous partagerai un peu tout ça. Et puis ben à l'année prochaine. Bon, le chant va bien, tu vas où là? Faut aller mettre ça où d'après toi? Et voilà. On recomposte. Oh, ça sert à rien. Vas-y. Au milieu, monte dedans, n'hésite pas. Et tes bottes. Alors. Et voilà. C'est vide. Tu crois qu'elle va te répondre?